jusqu'à 9h, Good Morning Business. On parlera d'Air Liquide à 7h45. François Jacquot, le directeur général, sera notre invité. Il signe un gros investissement aux États-Unis. On verra si c'est l'IRA qui le pousse à aller là-bas. Mais d'abord, on va parler de ces élections législatives avec vous, François Robinet, fondateur et associé gérant d'AVP, AXA Venture Partner. 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, des investissements dans la tech en Europe, aux États-Unis. Vous avez notamment investi dans Bene Bono, dans Virtuo, dans Deathbird. Il y a une soixantaine de boîtes en portefeuille. La French Tech s'inquiète. Est-ce que la start-up Nation est en train de mourir, tout simplement? Je pense qu'on peut pas dire ça, et ça serait même dangereux de dire ça. Non, mais simplement, effectivement, vous venez de le dire, nous gérons 2 milliards d'actifs. Aux États-Unis, en Europe, on parle à des entrepreneurs tous les jours. On parle aussi beaucoup à des investisseurs qui investissent dans nos fonds pour que nous-mêmes puissions investir dans ces sociétés innovantes. Effectivement, personne ne pense que l'environnement de l'innovation en France va mourir. Mais tout le monde se pose des questions. Pourquoi ? Parce que la France aujourd'hui est dans une position sur cette économie de l'innovation qui est une bonne position. Un grand chemin a été fait depuis 10 ans. On avait moins de 10 000 startups il y a 10 ans. On en a plus de 20 000. On avait moins de 50 000 personnes qui travaillaient dans ces startups. On en a 400 000. On avait 3 licornes. On en a... 30, 35, on a multiplié par 10, les Anglais ont multiplié par 5, on les rattrape. Donc tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Et ça nécessite de la confiance, ça nécessite de la stabilité, ça nécessite que le risque soit rémunéré, et compris et apprécié. Mais je vous dis pas ça, la French Tech, la Startup Nation est-elle morte pour rien? C'est-à-dire que quand on interroge les patrons de TPE-PME sur ce plateau, ils répondent qu'ils en veulent en fait à la Startup Nation, qu'elle les a mis dans une situation où elle était moins bien, qu'on en a fait trop pour cette France parisienne de la tech. Il y a un ressentiment clair vis-à-vis de l'ensemble de cet écosystème tech. Il est clair, on le ressent ici, et il alimente un vote extrême. C'est pour ça que je vous pose la question. Et quand on voit les fonds américains ou même européens dire « moi je me mets sur pause », il y a de quoi s'inquiéter, franchement. Oui, alors il y a 40% des investissements qui sont des investisseurs étrangers. Effectivement, il faut qu'ils restent en France. C'est important. Ensuite, vous parliez de la perception de la Startup Nation, de la French Tech. Bon, effectivement... il faut faire attention parce que ça parle pas forcément à tout le monde. Moi, ce que je voulais dire, c'est que la tech, elle est inclusive. L'innovation, c'est inclusive. Et je vais vous donner un exemple. L'intelligence artificielle, qui est de manière très étonnante, assez absente des débats des élections. Or, l'intelligence artificielle, ça va probablement impacter la vie des Français, de nos concitoyens, de manière incroyable dans les 20 ou 30 ans qui viennent. La façon dont on travaille, la façon dont on vit, ça va être, je veux dire, c'est aussi important que l'âge de la retraite, quelque part, hein, sur notre environnement de travail. On n'en parle pas. Et comment on en parle aux gens, justement, en montrant à quel point ça va changer leur quotidien? Parce qu'on en parlait avec Jean-Marc Daniel juste avant. C'est le plein d'essence de demain qui est au cœur de la campagne. Pas l'intelligence artificielle, même pas dans 2 ans. Et on leur en parle en leur montrant que la France, elle est dans la course. En venant ici, je pensais à la dernière grande révolution technologique, l'arrivée d'Internet. C'était dans les années 90. En même temps, on avait eu les législatives en 93, les présidentielles en 95. Internet était complètement absent du débat. À l'époque, Google, ça devait être 5 à 10 personnes. Ça aurait été bien de réfléchir à ce moment-là où on pouvait concurrencer Google. Comment est-ce qu'on faisait pour en France avoir le bon environnement sur Internet? Bon, on sait ce qu'il en est advenu, on sait où sont les grandes sociétés d'Internet aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est très différent, et c'est pour ça qu'il faut en parler de manière positive et en étant fier en France, parce que on parle de ChatGPT. Et ben, en France, on a Mistral avec les meilleurs ingénieurs de Google qui ont décidé de venir en France pour rivaliser avec ChatGPT. Et ça marche. On a H, société qui a levé 200 millions, qui prépare la prochaine étape de l'intelligence artificielle. Ils sont venus en France. On a des grands centres de recherche sur l'intelligence artificielle qui s'installent en France. Tout
Ça, c'est le résultat de cette confiance qui s'est... Tout ça, c'est fait. C'est pas à venir. Tout ça, ça ouais, existe mais déjà. Il faut le garder. Oui, bien sûr, mais c'est... Il faut le garder. Quand vous disiez, est-ce que c'est mort? Non, c'est pas mort, mais c'est fragile. Et donc, il faut le garder. Il faut faire en sorte que cet environnement de stabilité, d'attractivité pour les talents, c'est fondamental. On a besoin de garder les talents français, de faire revenir ceux qui sont partis, mais aussi... d'attirer les meilleurs du monde, de rémunération du risque, parce que quand on est entrepreneur ou qu'on est investisseur, il y a du risque. Et donc, quand ça, on peut se planter, mais quand ça marche, il faut que les fonds... Mais justement, la rémunération du risque, le fait d'être dans un monde ouvert, vous voyez bien où on va quand même. On ne va pas du tout dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous redis, est-ce que la Startup Nation est morte? Parce qu'en fait, on va dans un monde où c'est l'inverse exactement de ce que vous me dites. Je ne veux pas être défaitiste. Je veux dire, on a des élections, c'est un rendez-vous démocratique. Il faut que tout le monde soit bien conscient des vrais atouts que nous avons en France. Beaucoup de choses ont été fait. La BPI a fait un travail extraordinaire que tout le monde reconnaît. Tout le monde veut copier la BPI en Europe. Bon, voilà, on est où on est. On a un avantage. On est dans la course. Je disais, sur Internet, on était nulle part. Ouais. Voilà. Sur dans l'intelligence artificielle, on est là. On est là. Et il faut qu'on reste là. Et il faut qu'on fasse en sorte, quel que soit le résultat des élections, qu'on reste là et qu'on garde ces ingrédients qui ont fait notre succès. Merci beaucoup François Robinet d'être venu nous voir ce matin, fondateur et associé gérant d'AXA Venture Partners.